What's up, gens d'internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois avec DLP. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui sur Royal Fight. Donc, le serveur aurait ouvert sous forme de hub, est-ce que je peux le voir? Donc, c'est la première fois que je me connecte depuis la nouvelle version. Fifou me dit yo, Icons, j'ai rouvert le serveur, etc. Veux-tu venir faire un tour? Puis, vu que ben moi, puis Fifou, dans le passé, il m'avait payé de l'argent pour faire des vidéos sur son serveur. Puis, je me suis dit, ouais, ben, tu sais. Genre, c'est la moindre des choses de venir faire un tour. Donc, ça c'est le hub. Donc, pas pire comme hub. Je trouve ça joli. Bien style médiéval et tout. On a le choix des serveurs. Donc, faction et le bientôt event. Donc, un PvP box, un V1 training, etc. Nous, on veut rejoindre la faction. Donc, on arrive. On a le spawn. Il y a 30 joueurs en ligne. Toujours le grade YouTuber comme d'habitude. On spawn ici. La luminosité est pas top top. On a un skin de Steve jaune. Donc, on a comme attrapé le cancer entre temps. Est-ce que je peux témoigner? Donc, attendez, c'est où est-ce qu'on change la luminosité, les gars? C'est dans Video Setting, ouais. Voilà, on va mettre un peu plus de luminosité. Là, on voit déjà un peu mieux, les amis. Donc, en gros, aujourd'hui, je fais juste une petite vidéo pour vous dire que le serveur est ouvert et aussi un peu présenter le spawn, etc. Je connais pas toutes les nouveautés, les amis. J'ai pas eu le temps de bien parler avec lui. Il m'a juste demandé de juste poster le trailer. Mais comme j'ai dit dernièrement, j'aime pas trop poster les trailers. Sauf j'ai préféré juste poster une vidéo sur le serveur. Donc voilà. En espérant que le serveur va vous plaire, les amis. Si la vidéo vous plaît aussi, vous faites rigoler en compagnie d'LP. Ou si vous aimez les vidéos en compagnie d'LP, laissez un pouce bleu et laissez un petit commentaire. Allez voir la chaîne d'LP aussi, hein, LP, hein. LP, il essaie d'avoir des abonnés. De qualité, 1080p. Ouais, ça il prend 7 heures à mettre une vidéo en ligne, mais ça, faut pas le dire. Donc, 6 heures, ok, excuse. Hey, c'était une heure de différence, excuse-moi gros. Donc, un joli spawn, les gars. Un très, très, très joli spawn. Il me fait penser, il me semble que j'ai déjà vu ce spawn-là, mais genre, je sais pas, c'est bizarre, on dirait que c'est genre... Je pense que c'est le même spawn que Blast Fight, mais avec des blocs différents. Ça doit être un spawn pris sur internet. Ils ont juste modifié les petits bâtards. Donc voilà. Si on fait kit reset, c'est quoi que ça nous donne? Un beau petit kit. Donc, dans les nouveautés, les amis, j'ai quand même beaucoup joué sur les serveurs. Donc maintenant, ils ont fait cuire deux fois plus vite les fours en émeraude. Ils ont rajouté des coffres de la capacité. Bon, ça vous le saviez déjà. Fait monter deux fois plus vite, on le savait déjà. Paillère de toutes les couleurs, donc en laine. Si vous n'avez pas compris. Portillon de toutes les couleurs, en même chose en laine. Incassable à la TNT, mais pistonnable chroma. Les escaliers, les escaliers en laine, la fer, les trucs en fer. Donc, les effets pour le cookie, j'aime bien quand c'est bien indiqué tout ce que ça donne comme truc, etc. à chaque fois. Donc, pour le cookie, ça donne 1 minute de speed 2 et 1 minute de fire res, comme on peut voir ici. Ensuite, aucun effet, juste fun. C'est des bonbons, en fait. Bonbons à la fraise. Des donuts. 1 minute de speed, 1 minute de fire res et le cookie sans fire, ça donne force 2, speed 2 et fire res 30 secondes. Donc voilà comme on peut voir. Ensuite, bot en émeraude, stuff en émeraude, bon voilà. Stuff en rubis, bon voilà. Saphir, voilà. Vous avez... Ça c'est normal. Fifalite. Donc lui, c'est le fondeur, il s'appelle Fifou. Comme ça. Fait qu'il a appelé le stuff Fifalite. Ce qui est pas original, hein. Eh oui. Ils ont changé la texture de l'épée en fifalite. Comme vous voyez, ils ont genre rajouté du vert sur le manche. Peut-être qu'ils l'avaient fait à l'ancienne version, je me souviens juste plus. Donc voilà. Pour le truc en fifalite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Casque en fifalite, etc. Oh! Ça c'est ce que je préfère le plus, à savoir un armure en royaume, à royal, les amis. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des effets. Le casque donne force, le pantalon donne speed, les bottes donnent speed, ça donne je sais plus quoi, puis... Enfin bon, quand on est full stuff V4, U3 de ça, on est presque intuable. Ah, j'ai de la misère, LP. Si LP est ici, on joue. C'est parce qu'on joue. Moi et LP, on joue, les amis, à CS jusqu'à genre fucking tard le matin, genre. Genre jusqu'à 4-5 heures du matin, puis je me lève à genre 8h, 9h, vous comprenez? Fait que je dors pas beaucoup. Ici, on a des places pour farmer la nourriture. En même temps, récupérer. Bon, on va se cacher un petit peu d'XP, hein, pas beaucoup, mais un petit peu. Ensuite, il y a quand même pas pire de coups pour un serveur qui est quand même 2-3 heures du matin en France en ce moment. Donc voilà. Les tables d'enchant sont comme en 1.7, ok. So, on est en 1.8, mais ils ont déjà de la pièce, on peut enchanter déjà ce qu'on veut. Ok, parfait, c'est bien fait. Ta gueule. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-ci? Comme j'ai dit, j'avais pas dit que j'allais venir faire une vidéo. Donc ensuite, on a le shop ici. Donc j'espère qu'il est mieux fait que les autres versions. Donc on a le... Le truc, Fifou, dis-moi les nouveautés. Fais vite avant que tu me donnes le cancer.
Ah, oh, ok, va sur Royal Fight, va sur royalfight.net, ok, puis dis-moi les nouveautés. Pour ça, non? Ouais. Je viens d'arrêter ma course de Trackmania, man. Ah, oh, excuse-moi. Donc ici, ils n'ont pas fini de mettre les panneaux, est-ce que je peux comprendre? Royal. Ici, il y a quoi? Ouh, c'est une cachette secrète, les gars. Ouais. Les gars, j'ai trouvé une cachette secrète. Chut, j'ai trouvé une cachette secrète. Chut. Et puis secrète parce que tu viens de le dire. Chut, t'es jaloux. Il y a même de la glowstone ici. Ouh là 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 là. Donc, t'es été voir? Saison 4, le 9 juillet. Plus d'infos ici. Slash potion pour stacker les potions. Ok, il y a des spawns de coffres en Warzone et d'autres trucs. Ok, super! Ok, attends. Attends. Il y a le HDV. Donc, le truc comme avant, le HDV au spawn. Il y a les spawns hashtag in-game. Un nouveau minerai qui est le rubis. Il y a le slash potion pour stacker les potions. Il y a des spawns de coffre dans la Warzone. Il y a quoi d'autre? Dis-moi là sur le site, là, parce que lui, il m'a pas tout dit. Un classement faction, bonus d'XP pour les gradés, suppression de l'armure en obsidienne, ajout de l'armure en rubis, des arcs et de l'épée. Il y a un nouveau cut. Une fois par jour, un coffre spawn dans la Warzone. Le warp coffre se déroulera désormais une fois par jour et non une fois par heure. Ajout de toggle sprint, pression définitive des spawners sur la boutique. On peut acheter nos spawners in game. Ok, ils ont enlevé de la boutique dans le fond pour les mettre juste dans le truc. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment moins pay to win par exemple. Avant, c'était quand même un peu pay to win, mais là, ils ont vraiment bien retiré ça. Des clés magiques, il y a l'HDV. Le shop qui est plus gros. Potion de résistance 2. Donneront plus longtemps, mais genre Resifer donne maintenant 9 minutes au lieu de 6. Ok. Potion de speed 2 dureront plus longtemps. Donc au lieu que ce soit 1 minute 7, ça va être 3 minutes en splash. Sont consommables. Y'a pas de knockback 2. Mais y'a le knockback 1. L'effet de jumbo s'est supprimé du biscuit. Ok, genre. Le jeu okay, serait okay. De base. Le jeu c'est de base français, si on s'en fout un peu. Les outils en royal sont supprimés sauf l'épée. Okay. La hache de combat en royal est ajoutée, je sais pas trop c'est quoi. Ben une hache de combat ça doit être pour PVP non? Qu'est-ce que t'en penses? Réfléchis avec ta tête. Ben ok, man, moi je suis un pro royalfight.net, tu sais. Les pics zombies ne louperont pas de... Ok, y'a pas de... Que ça on s'en fout. Yo, ils drop pas, hein? Ouais, il drop plus. Genre. Il drop pas d'effet en or. D'épée en or. Ajout de slash potion. Fait que vous pouvez stack un maximum de 2 potions. Et faire cette commande toutes les 4, 3, 2, 1 minute selon votre grade. Ok, donc en gros, plus que vous êtes au grade, plus que vous pouvez faire le truc. Ok. Ouais, c'est pas vraiment P2Win. Il y a la commande slash bottle d'XP. Pour stacker pour prendre tes XP en bouteille. Ouais, ok. Ajout de serveur event. Sur ce serveur, il y a au moins un event tous les week-ends. Il y a du PvP box, des 1v1, des jumps. Ok, autre chose? On peut pas mettre nos propres packs de textures. Ouais. Mais il y a 5 packs qu'ils proposent. Petite épée, grande, stylée, etc. Ok. Pour éviter l'X-ray, sans mettre un anti-X-ray qui fera lag le serveur. Il y a un anti-autoclic. L'obsidienne explosera 10 coups, puis les enclumes sont pétables au coup de 5 coups. C'est bon. C'est tout, tu peux respirer, LP, c'est correct. Prends une bonne bouchée d'air, le gros, ça va aller, tu vas survivre, calice, calme-toi, là. Donc, voilà, les amis. Moi, je faisais comme je vous dis, je fais juste une petite vidéo pour vous dire que le serveur est ouvert. Attends, il y a aussi un autre truc. Oh! On perd pas les grades et les kits si vous avez acheté dans le. Précédemment. Donc, si vous l'aviez acheté dans les autres versions, ben, vous l'avez toujours dans le fond, si vous avez acheté vos kits ou votre grade. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez venir faire un tour sur cette version de Royal Fight. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous venez faire un tour. Comme ça, ben, je pourrais aider mon ami Fifou. Et puis voilà. Sur ce les amis de l'internet, j'espère que vous avez passé un excellent moment à ma compagnie. Le serveur est en 1.8, comme on peut témoigner. Je suis un peu déçu Fifou, un peu déçu. 1.8 mec, 1.8 mec. Fuck 1.8. Ah là 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 Fifou. Ah là là là. Faut dire. Merci les gens d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain!